Hello YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy. On se retrouve du coup sur le compte pour le deuxième membre de la guilde Insane. On est sur le compte de Toin. Alors, il a déjà un petit écharpe, ça on le sait, c'est son rep. On va regarder un petit peu ce qu'il nous a mis de côté pour que tout le monde puisse parier tranquillement. Alors, on a un vélin transcendance, on a 3 légendaires. Donc, on est déjà rendu à 4 étincelles. On a derrière 2 Dark and Light. En fait, quasiment tout le monde va être, je pense, de base à 2-3 Dark and Light parce que ils ont farmé. Entre autres autour de l'Even quoi. Tu en penses quoi du 2 Had Bernard? Pas transcendant. Pas transcendant. Ok, ça fait 3. Après derrière, on va peut-être avoir une 4ème étincelle là-dessus si ça se passe bien. Et ici, 132 vélins mystiques. Sensiblement, quasiment tout le monde, ça devrait être la même chose. Du coup, pour sa wishlist, je regarde ça tout de suite. Je vous le dis en live. Sa wishlist Lead Speed. C'est Arap, Samad, Vanessa. Mob GVO, Perna, Chandra, Iris. Et Vastet en 3. Ok. On va chercher ça tranquillement. On est bien sur le bon chan. On va aller regarder sa box. Voir si pour l'instant c'est un compte qui a plutôt de la chance. Ou pas du tout. Il va falloir qu'on aille juste trouver le storage. Alors, il est caché où? En bas, pas du tout. Voilà. Il est ici. Forcément la seule île que j'ai pas faite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant sur le compte? Ouh! Barbara, ça me fait envie. Barbara, Joséphine, Alicia Woussa, on a un Chiou. J'aimerais bien aussi Chiou. Camille, très bien. Pour les hauts, ici, on a Petit Poney Feu, Brandia, Chibou. Derrière, on a une Raki, on a un Xing, pas un Xingze, on a un Mewang, Laika, Rika, Zeros. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a Odin, on a ici une Hathor, une Tiana, un Ritesh, un Lagma. Allez, est-ce qu'on a quelque chose dans les Light and Dark? Ouf. Ouf, on a Martina. On a Martina déjà. On a Pontos aussi. Pontos Martina. Très bien. On a une bêta. Derrière, on a un petit Pungbike qui attend. On a Jean, on a El Charion aussi qui attendent. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça va la box. Ouais, ouais, c'est propre, c'est propre. C'est très, très propre la box. Et bien, bah, let's go pour les étincelles. Let's go pour les étincelles, les gars. On espère. Allez, là-dessus, une dizaine d'étincelles aussi. 11, ça pourrait être pas mal. Allez, on commence directement par un fake. C'est un fake Ikaru. Ikaru, sûrement le pire double wake qu'il y a actuellement disponible. Pourquoi? Faut qu'ils réduisent en fait les statistiques de défense pour pouvoir faire la coop. Pas les pierres, non, non, pas les pierres. De toute façon, les pierres, sauf s'il y a quelqu'un vraiment qui me dit je fais les pierres, je ne les touche, je ne touche pas. Je sais très bien que sur un niveau de guild comme on est, sur du G3, pour la plupart des joueurs, on peut pas, on craque pas les pierres pour dire on craque les pierres. C'est-à-dire qu'on va sniper des monstres élémentaires. Et sur la rotation aujourd'hui, il n'y a rien qui est intéressant, je pense, pour un compte late game. Peut-être où ça, à la limite. Ophelia, c'est sympa, mais c'est pas le monstre que tu vas aller sniper. Donc, c'est vraiment pas le monstre que tu vas aller sniper, Ophelia. C'est ton, t'es très content, tu vas la monter, tu vas la respecter. Mais c'est pas le monstre pour moi que tu vas aller sniper. Sur un compte comme ça, voilà, il m'a parlé de certains monstres. Et ils en font pas partie, en fait, dans sa wishlist. Ils sont pas sur la rotation de cette semaine. Alors, Archer magique. Allez, let's go. Ok, c'est pas mal ça. Je sais pas si tu la joues pour l'instant. Très intéressant pour séparer ta team Buldo et Cuivre. Tu mets tranquillement la petite ondine pour l'immunité. Allez, Garou qui tombe derrière, c'est bien. Deuxième étincelle. Deuxième étincelle avec Garou. Garou est extrêmement joué. Hein. Si vous savez pas... Ah ok, elle est déjà full skill. Très bien. Je pense que c'est pas le monstre que tu vas jouer en double. Donc, pourquoi pas. Allez. Par contre, Garou, c'est cool. Je pense qu'un seul Garou, ça suffit. C'est pas si facile que ça à runer, en fait. Parce que faut beaucoup de vitesse pour être bien. Faut du taux crit, faut du dégâts crit. Ça, sur un set vamp, c'est pas le plus évident. Tomars, il est bien pour early game. Tu peux faire pas mal de choses avec Tomars. On se souvient, à l'époque, on faisait du GB10, on faisait du DB10 avec. Ça nous permet aussi de faire une défense arène, de faire une défense GVG, une offense GVG. Donc, c'est pas si mal que ça. Avec 1000 pierres possible de snipe Odin, mais il te suffit de 50 pierres pour avoir ton Odin Shakugan. Donc, à partir du moment où dans une rotation, vous avez un monstre qui vous intéresse, craquez vos pierres. Elles reviendront. Elles reviendront. Faut pas se dire qu'en 5000 pierres, t'auras plus de chances de tomber sur le monstre que tu veux. Normalement, oui, mais faut jouer, en fait. Dès que t'as un bon monstre qui t'intéresse et tu sais que ça va faire step up ton compte, tu n'attends pas. Faut pas attendre, je pense. Allez. Oh!
Petit skill up. Est-ce qu'un view à 150 de speed est pas mal? Ça veut dire quoi 150 de speed? Plus 150 ou 150 en tout? Et ça dépend pour qui. Plus 150, ça me semble très très fort pour un compte early game. Si c'est 150, ça va dépendre du monstre. 150, c'est pas dingue. En fait, faut savoir que déjà, si tu joues une rune 2 à plus 42 de vitesse, bah déjà, la plupart des monstres vont se trouver à 145 de speed. Donc déjà, quand t'as 145 de speed, me dire 150, c'est pas dingue. Moi, je pars du principe que dès que tu vas jouer la plupart de tes monstres, tu vas aller chercher, dans un certain moment, les 42 de vitesse, si c'est un monstre qui doit nécessiter de la vitesse, donc tu joues du 42 de vitesse en 2. Et après, sur les 5 runes restantes, tu vas essayer d'aller chercher les 52 speed. Donc ça veut dire que la plupart des monstres, même en early game, moi ce que j'essaie de me fixer, c'est plus 90 de speed. Plus 90 de speed si une rune 2 en vitesse, si pas de rune 2 en vitesse, plus 50 de speed. Non, plus 150. Bah plus 150 c'est très très bien en early game. Hein. Ça veut dire que t'as allé chercher plus 100 points sur les runes à côté, et ça veut dire que plus 100 points sur 5 runes, c'est-à-dire que t'as des runes à plus 20. Donc c'est très bien, c'est même très très bien. Il n'y a pas beaucoup de comptes early game qui ont ça. Même en mid-late game, il y a très peu de comptes qui ont ça. Non. Shox, je prendrai pas. Je prendrai pas sur ce set de runes. Allez, nouvelle étincelle. Ok, Bruni magicien, toujours cool. On a des petits lags, on a des petits lags. Ça rame, ça rame. Parce qu'il y a trop d'arbres autour là. Trop d'animation. Les 6 étoiles, c'est quoi les stats pour pouvoir le jouer en early? Bah, tu vas privilégier l'attaque, l'autocritique et les dégâts crit. Toujours la même chose, je vous ai fait des vidéos sur comment ruiner des damage dealers. Donc n'hésitez pas à aller checker ça dès que vous avez un peu de temps. Je suis pas sûr qu'il soit très bien à Dosh ce set là. Parce que souvent, il manque, je crois qu'il manque de taux crit. Le set qu'on donne en plus 15. J'ai pas regardé combien là on avait de d'étincelles. Allez, on a une nouvelle étincelle. Une tétra, c'est très très bien. Je sais pas si tu la joues toi. Hein. J'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5. 5 étincelles pour l'instant. 5 étincelles, c'est pas dingue. 5 étincelles en combien? Ah si, on est dans les stats. On est dans les stats, à peu près. T'es connecté sur ton compte? Ah. Ça c'est le message quand on se connecte sur le compte. Pas sur mon portable en tout cas. Fais gaffe, tu viens de te faire hacker ton Facebook. Je viens de drop le démon haut, je sais pas où et comment jouer. Ça dépend de ton niveau encore une fois les gars. Le mieux c'est d'aller checker un petit peu sur internet le potentiel du monstre. Le stream compliqué. Oh, ça va se faire, t'inquiète pas. On est en train de se roder là. Mais c'est des monstres très PVP, donc tant que je connais pas votre compte, je peux pas vous dire bah foncez dessus en fait. Moi, je choperais le démon haut, je pense que je le runerais. Je pense pas que j'irai le skill up tout de suite, mais je pense que j'irai le runer et j'irai le tester. Parce que j'ai un niveau qui me permet, sur mon compte, d'avoir pas mal de runes, d'avoir déjà ma partie PvE qui est runée plus ou moins, d'avoir déjà des teams, défense, arène, défense GVG, offense arène, offense GVG qui sont runées. Mais ce serait pas ma priorité, ce serait pas ma priorité, je pense, à monter. Immediate, Vio immune, c'est viable, vitesse PvPv, c'est très très bien. Si t'arrives à faire un bon set, c'est très très bien. Comme ça que ça joue. Lagma, c'est pas mal, ouais. Pour du GB10. C'est pas le monstre extraordinaire, mais ça marche bien. Après, aujourd'hui, le GB10, je pense qu'on descend assez vite sous la barre des 45 secondes. Quand je vois que sur mon reroll, là, je suis à 53 secondes, et que j'ai pas encore vraiment ruiné mon croc, je pense qu'on va descendre en dessous. J'ai pas de DPS AOE en dehors de Sigmarus. J'ai pas de Lucian, j'ai pas de Téchar, j'ai pas un truc bien intéressant comme ça. J'ai pas de jumelles. C'est pas mal et ouais, c'est un bon début. Après, faut pas que t'aies sacrifié ses points de vie, son attaque et sa précision non plus, quoi. Allez, 46 Venomstick, on a perdu les étincelles. Gaia Boomerang, toujours bon ça, en termes de skill up. En plus, j'ai vu que t'avais une Martina. T'as pas Lucian, Wendy? Si, si, bien sûr, mais pas sur mon reroll. Pas sur mon reroll.
Parce que là, quand je dis que je suis à 43 secondes, c'est sur mon reroll. Sinon, sur mon compte principal, je crois que je dois être à 21 secondes 13. J'ai pensé à Lucien, Lorraine, elle est accro, Lynn pour GB10, DB10. C'est pas mal, mais il te faut des grosses, grosses runes derrière. Non, non, j'ai mis longtemps à avoir mon premier Lucian, je pense que j'ai dû mettre presque 2 ans. Et après j'ai eu 3 Lucian du coup, en quelques semaines. Allez, nouvelle étincelle, peut-être le 5 nat qui va tomber là-dessus. Oui, 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 Okeanos, très très bien. Taor, moins bien. Ça fait pas partie de sa wishlist. Mais pour l'instant on est content quand même, parce qu'en une centaine de V1, on arrive à avoir un 5 nat. Donc, nice, ça c'est très 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 bien. Peut-être le petit Okeanos qui va faire plaisir. Okeanos, nice, très bien. C'est pas un doublon, je pense pas. Si on me dit ça avec conviction, c'est que c'est très certainement pas un doublon. Nice, alors ça c'est top. J'adore ce monstre, j'adore ce monstre. Je le joue un peu moins maintenant, mais j'adore. Pour reset les Perna, il n'y avait rien de mieux avant. Enfin, moi je trouvais ça, je trouve ça oufissime. Pour les teams avec Perna Seara, tu mets 2 monstres feu dans Okeanos. Moi je faisais Okeanos Rika avec une Rina. Sarah, elle se prend la tête sur la Rina. Tu reset le Perna. Tu le full stun avec Rika qui est en Despair et avec ton Okeanos. Et c'est gagné. Mais t'inquiète pas, Drana. T'inquiète pas. De toute façon, si j'ai le temps, je réponds. Si j'ai pas le temps, je réponds pas. Puis il y a plein de personnes qui sont là aussi pour répondre. Allez, nouvelle étincelle. 5 nat. Non, faut pas déconner non plus. Hein. Verdil. Wow, Mouchu. On est calme. On est détente. Après, c'est juste qu'il faut pas s'entêter si je réponds pas au message. Déjà, vous êtes 570. Donc déjà, je vous remercie parce que vous êtes déjà beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait des grosses soirées Summoners War. Ok, derrière, un petit Chimitaï encore une fois qui tombe. Donc non, faut pas se prendre la tête. Il y a toujours des viewers qui peuvent donner des réponses. Moi, je peux pas forcément... Déjà, 500 viewers, c'est énorme pour moi. Comment le rune Okeanos? Alors Okeanos, c'est un monstre qui doit être rapide. Donc tu vas chercher de la rapidité, de la tankiness, je pense, pour la plupart du temps, et de la précision. Après, que ce soit Swift, que ce soit Vio, que tu arrives à lui mettre un peu de taux crit, un peu de dégâts crit, parce que c'est un monstre de type attaque, c'est toi qui vois. Faut qu'on rattrape chez Zou. On le rattrapera pas. On peut pas rattraper chez Zou. Chez Zou, ça fait quoi maintenant chez Zou? Ça fait 1 an et demi qu'il est professionnel? Moi, je suis encore amateur. A plus, Typical Jax. Et encore merci. Moi, je suis en live jusqu'à la fin des summons, les gars. Et on en a des comptes. On en a des comptes à faire. Alors, pour l'instant, ça va. Je tiens ma place. Je tiens ma place dans la guilde. Allez, ça, il est tout à droite. Yo, Panté. Comment je rune mon Xianfei? Alors, Xianfei, je t'avouerai qu'aujourd'hui, je serais plutôt du conseil de te dire de ne pas le runer. Ça se joue que si c'est full skill et c'est une paire de Diablemon. X fusion point à feu pour skill up un point à feu, je trouve que c'est une perte de temps, d'énergie et de mana. Le monstre ne sert pas en fait. Le monstre ne sert pas. Je suis désolé. Donc, il a eu Tiana et un doublon Verad qui est reparti dans une bêlée. Donc, là-dessus, par contre, El Charion, je le jouerai très rapide en Vio, très certainement. Très rapide en Vio. Avec un peu de DCC, en speed DCC attaque, voire même en speed DCC HP. Il a beaucoup plus de multiplicateur attaque, enfin il a plus de multiplicateur attaque que pas mal de Ifrit, donc il est pas mal. Allez, est-ce qu'on va réussir à lui avoir un deuxième 5 nat sur les vélins mystiques ou sur les vélins élémentaires? Ok, une étincelle de plus, ça fait plaisir. Non, Astar. Non, Lupinus. Lupinus. Ok. J'ai pas vu si t'avais Iris. Allez, allez. Ou élémentaire, Kalili qui tombe. Salamander. Et encore une étincelle sur les vélins mystiques. On avait dit 10 étincelles, 10, 11, ce serait bien. On en a fait combien, les poteaux? Ok, on va les checker. On va aller checker ça. Alors, on avait dit 10, 11. On a eu 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est pas mal. On a eu 2 fakes en plus. Donc ça fait du food. Ça va. Ça va, ça va. On a eu le 5 nat. On est dedans. On est dedans.
On aurait pu avoir une étincelle en plus, mais on va peut-être la récupérer sur les vélins élémentaires. 11 aurait été très bien en fait. 10 c'est juste. Mon Xianfei me sert toujours en nécro. Ouais, mais c'est pas une team late game ni mid late game. C'est. Il y a 50 fois mieux sur le jeu, même en free to play, mieux qu'un Xianfei quoi. Prends un Raok quoi, double wake, hein, c'est pour le du break death. Prends un Raok double wake. Non! C'est pas ce qu'on voulait. Ça pue un peu la merde. Natenai. Bon. Bon. On va faire les vélins légendaires. On en a 3. Peut-être un 5 nat. Peut-être un 5 nat. Alors, je rappelle les 5 nat. Donc, il y avait Bastet. Il y avait d'Elite Speed qui voulait. Bastet, Elite Speed et Perna. C'était les monstres qu'il aurait voulu. Chandra et Iris. Ah non, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais lu Iris. Ah, mais ta team, elle est pas rapide du tout. Oh, le fake 5 nat. Non! Oh! J'ai cru que c'était un fake. Pas du tout. Pas du tout. Deuxième 5 nat. Bon, on va pas se plaindre. Mais il va falloir un buff. Hein. Il va falloir un buff là-dessus, les gars. Aïe. Parce que là, c'est quand même pas dingue. Mais bon, deuxième 5 nat. Ça va. J'ai eu hier aussi, c'est ça, Christina, la plus honte. Ouais, puis un peu. C'est un fake en quelque sorte. Ouais, c'est un peu un fake. Moi, on aurait préféré un fake. Non, quand même pas. On va se reprendre un buff, les gars. Moi, je m'inquiète pas. Hein. Y a tellement de monstres qui ont pris des buffs au fur et à mesure. Allez, peut-être une étincelle sur les Dark and Light. Frankenstein. Ouais. Pas oufissime. C'est bien, Christina, quand même. Mais non. Et mon compte, elle est où? Elle est où, Mamio? Elle est où? Ah bah voilà, très bien, un bel Adéon derrière. on se souvient de la période Trash Talk KFGO, exactement. C'est la dernière... Bah voilà, c'est ça, Daphnis, pareil, il s'est fait tellement chier dessus qu'aujourd'hui, il est full jouable. Oh, ça me semble bien, ça. Aranis? Non, Belenus? Eh bah, tu m'avais demandé Belenus. Non, est-ce que tu m'avais demandé Belenus? Je sais que Créan m'avait demandé Belenus. Tu m'avais pas demandé Belenus. Est-ce que tu l'avais? Oh, thank you. Oh, il est très très content. Très content. Ah, j'ai tiré le gros lot là. Ah, nice. Oh, c'est bon, les gars. On est encore dans la guilde. Belenus, je t'avoue que je suis encore jaloux. Mio Belenus, mec. En tout cas, le compte là, il est content. Content. On t'a pas eu les monstres que tu voulais. Bon, on t'a eu Belenus, qui est sympa. Et on t'a eu Okeanos. Donc, franchement, je pense que c'est une bonne summon session. Enfin, une béné du Belenus. Non. Pas du tout, à la limite de la Christina, mais c'est tout quoi. Et bah, je te rends ton compte. Je te rends ton compte, mon petit toin. Profite bien. Là, je pense que t'es bien parti pour t'amuser. Pas de doublon et 3-5 nat. Pas de doublon, c'est vrai. Pas de doublon et 3-5 nat.